Salut Marie, salut Pierrot, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne. Il s'agit de Tiny Toons Buster Adventures là. Attendez, on a loupé le titre, il est passé beaucoup trop vite, voilà. Busters Bust Loose, voilà, Tiny Toon Adventures. Donc c'est un jeu de Super Nintendo sorti en 93, voilà. Ce sera une mini-série, hein, parce que j'ai vu quelques longues plays sur YouTube. C'est un jeu qui dure en moyenne, quand on le connaît bien, une bonne heure, une heure, un peu plus d'une heure. Bon, moi je jouerai peut-être un peu plus longtemps, puisque le jeu je l'ai fait très 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 longtemps. Donc j'ai quelques souvenirs, mais vagues. Et il faut se rappeler quand même que les jeux qu'on jouait facilement à l'époque, on a beaucoup plus de mal maintenant, bizarrement, hein, à jouer sur ces jeux-là. On est habitué à tellement d'autres gameplay que dès qu'il s'agit de se remettre à des jeux du type Super Nintendo et encore plus jeux de plateforme action, ils sont finalement, je trouve, plus compliqués que lorsqu'on y jouait avant. Ou alors peut-être parce qu'on a moins de références aussi. Voilà, donc ça fera. Donc c'est un jeu qui sera proposé, que je vous propose en plusieurs mini épisodes, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, donc on fera un niveau ou deux. Et à chaque fois, en fin de niveau, on a un mini-jeu. Donc après, à chaque mini-jeu, ce sera la fin de l'épisode, tout simplement. Voilà. Allez, on démarre. Les options, on va se mettre en niveau enfant, hein, en enfant normal ou challenge. Pour la vidéo, on se met en enfant, comme ça c'est plus simple et vous verrez que... Enfin bon, le jeu est pas compliqué en soi, ce qui est compliqué finalement dans le jeu, c'est... Alors, attendez, est-ce que je suis en émulateur? Donc vous voyez, la petite souris là. Donc comme je suis sur un émulateur, donc j'espère que par contre pareil, le son sera bon parce que j'ai changé d'émulateur. Donc j'espère que les réglages seront corrects pour cette première vidéo. Donc voilà, donc je disais quoi? Oui, donc pour les besoins de la vidéo, pour jouer plus simplement, je me mets en mode enfant, children, hein, pour Pierrot et Marie, qui ne parlent pas encore l'anglais. Et comment dire... Donc le jeu, les ennemis ne sont pas a priori plus fins. Le jeu n'est pas très très compliqué en soi, mais ça va être quand même plus pratique tout simplement. Hein. Le but du jeu, c'est de vous montrer un jeu. Après, si vous souhaitez y jouer et vous imposer certains challenges. Alors, est-ce qu'il a pris en compte là? C'est pas très clair. Hein. J'ai validé. On est en children. C'est bon, c'est ça. Ok. Alors, hop hop hop. Et où l'exit là? Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il est password. Tiens, je ne savais pas. Ok. Et ça ressemble à quoi les passwords? Il faut... D'accord. Ah, bah à la limite... parce que comme j'ai joué un petit peu... évidemment, c'est pas bon. Et comment on ressort de là, par contre? Ah bah elle est bonne celle-là, j'arrive pas à ressortir du jeu maintenant. Mais laissez-moi ressortir. Bon bah écoutez, je suis bon pour parce que j'appuie sur tous les boutons et rien ne va. Donc je suis bon pour relancer le jeu. Allez, à tout de suite. Allez, on démarre. Donc voilà, on part directement en menu start et on attaque le premier niveau. Donc le jeu, dans son gameplay, il est finalement assez simple. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Bienvenue au merveilleux monde de Tiny Toon Adventure. Ok. Mon nom est Buster, donc c'est lui qui parle. Hein. Et elle, c'est Bebs Bunny. Nous allons avoir des grandes aventures. Par contre, il est donc... On doit aller à l'école. On a là-bas beaucoup d'amis. Oh là là, zut! La classe est déjà commencée. Buster, fais attention! Il y a des animaux qui se sont échappés et qui sont dans l'école. Ok, donc bon, voilà. Ma traduction est approximative. Hein.
Donc, le gameplay. Gauche-droite, là, on peut se baisser, voilà. Gauche-droite, on se baisse. Un bouton pour sauter, un bouton pour mettre un coup. Et sinon, on peut dasher, c'est-à-dire, voilà, paf. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un obstacle. Donc, le faire courir. Donc, ça, je le fais avec les boutons L ou R. Ce qui est dommage, c'est que le bouton R, donc droite, ne fait pas dasher vers la droite. Si j'appuie sur R, il va forcément dasher dans le sens où est tourné le personnage. Voilà, ça aurait été pas mal de pouvoir faire L ou R pour l'envoyer à gauche ou à droite. Mais bon, voilà. C'est juste un détail. Hop! On avance, les petites souris. Donc là, c'est un petit let's play que je vous propose comme ça. Normalement, on ira au bout du jeu. Dans mon souvenir, on peut y arriver facilement. Voilà. Et je vous proposerai donc en parallèle, comme... Oh là. Ouais, voilà, c'est ça quand j'accasse. Normalement, c'est un jeu, c'est un niveau où on avance tout droit là, on s'arrête jamais, et tout se passe bien. Voilà, là on dash, et on passe en dessous. Voilà, vous avez vu, le dash, ça permet aussi de se débarrasser des ennemis. Hop là. Donc, en parallèle, je vais vous proposer un Call of Duty. Je crois que vous en avez déjà parlé dans la vidéo Dishonored, mais... je crois que c'est Infinite, un truc comme ça. C'est le... J'ai plus le titre en tête exactement, mais c'est celui qui se... Alors, jump. Dash et jump. D'accord, ah oui. Hop là. Hop là. Hop. Bah alors, voilà. Ah oui, c'est vrai. Hop, on continue là. On se... Hop là, doublé. Voilà. Donc les petites statues là, ça lui donne une sorte d'énergie hein, pour le dash. Ça remplit le dash tout simplement. Hein. Parce que vous avez vu, on a une jauge. Mais là, de toute façon, on a une jauge en haut là, hein, avec des petites barres jaunes, des petites briques jaunes. Donc c'est hop là, là il faut déplacer ce meuble là pour pouvoir sauter de l'un à l'autre. Voilà, hop, tout simplement. On fait la même après, je crois. Voilà. Donc là. Dis donc, toi. Hop là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, donc voilà. Donc ça, c'est juste une petite série comme ça pour le fun, puisque la vraie grosse série de la chaîne, elle va arriver bientôt. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais je crois que c'est tout pour l'instant. Oui, on fera de toute façon probablement en doublette hein, un jeu Super Nintendo, enfin un jeu rétro en tout cas. Et oui, donc ça c'est le boss du niveau. Bon, il est pas très compliqué. Hop, pof. Et on dash encore. Hop là, zut, je me suis arrêté trop. Ah voilà, manque de. On va attendre qu'il se rapproche. Voilà, c'est parti. Pof. Voilà. C'est bon, je l'ai eu ou pas? Non. Ah, il m'a touché. Alors. Voilà. Je crois que c'est bon. Là, ce coup-ci, on l'a eu. Voilà, on a eu la clé pour passer. Oui, donc un doublette. En doublette, il y aura un jeu, on va dire, récent. Hein, et puis aussi, du coup, à côté de ça, un jeu rétro. On rattrapera de toute façon Mystic Quest Legend. On rattrapera Resident Evil 4. On rattrapera... Qu'est-ce qui manque? Qui a disparu de la chaîne aussi je sais plus exactement, mais donc en tout cas je vais m'arranger pour rattraper tout ça. Donc ce sera dans un premier temps évidemment des épisodes d'une heure hein, pour comme j'ai fait pour Dishonored hein, pour rattraper le retard, parce que je sais que certains avaient commencé à regarder Resident Evil et puis et suivaient aussi ben, Half-Life. Ah oui, Half-Life 2 évidemment. Qu'est-ce que je fais? Moi j'accasse et du coup je joue n'importe comment. Voilà. Alors l'étoile, ah zut, j'ai loupé l'étoile. Parce que je pense que les étoiles, c'est une centaine d'étoiles, ça doit nous donner une vie supplémentaire, hein, je suppose. Je m'en rappelle plus non plus. Voilà. Est-ce qu'on est au bout du niveau? Eh ben j'ai l'impression. Oui c'est ça. Donc c'est l'heure du mini-jeu. On va donc c'est l'heure de. Donc il nous demande d'appuyer sur Select et pour tourner la roue. Et sélectionner un jeu. Alors. Ben ça y est, j'appuie sur Select.
Bon, j'appuie sur un autre bouton, ça marche aussi a priori. Et on nous propose le petit canard. Donc les mini-jeux, je ne me rappelle pas ce que c'est. Hein. Donc on va voir, c'est la surprise. Plucky Ducks Go Go Bingo. Alors le problème c'est que... Ah c'est le jeu bingo, d'accord. You have a chance to get extra lives. D'accord, donc c'est pour gagner des vies en plus. Donc, you get 8 balls for each complete line. You will get an extra life. Donc si on fait une ligne entière, on complète une ligne complète. Non, on complète une ligne complète. N'importe quoi. Pardon, si on complète une ligne, on a le droit à une vie en plus. Un canard, super. Bon, du jaune, ce serait bien là. Ah non, c'est bien. Donc les couleurs des billes n'ont rien à voir avec les personnages. Très bien. Donc une ligne complète, une vie. Donc je suppose que si on arrive à faire deux lignes, par exemple, c'est deux vies supplémentaires. Bon, pour l'instant, on est à trois vies, d'accord. Alors, donc là c'est comment il s'appelle Bip Bip. Bon, moi je connais pas les personnages des Tiny Toons, enfin leur nom dans la série des Tiny Toons. Hein. Je connais leur nom dans les séries d'origine. Donc ça c'est le loup. Non, c'est Coyote ça. Ouais, c'est Coyote le loup. Le loup c'est trois petits cochons, ça n'a rien à voir, c'est au Disney. Alors, elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah tiens, une ligne, super, déjà une vie. Est-ce qu'il y a encore des billes? Ah oui, on peut encore en gagner. On a encore une chance ou pas? Je sais plus combien il y a de billes. Hein. Ah. Encore une chance peut-être. Ouais, deux. Ah, et si on a le petit canard rose là, on a encore deux vies en plus. Ah. Ah bah si, on a une vie en plus, voilà, impeccable. On est passé à 5. Allez. Bon, ce mini-jeu là est un peu long. J'ai testé un ou deux autres mini-jeux là. Le temps que je pige, ça a duré 10 secondes à peine. Vous verrez, hein, on les aura sûrement. Hein. Ok. Bah dit, super. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, c'est super. On a gagné quelques vies en plus. C'est pas mal, voilà. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Buster. Salut, bye bye.